Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo de test avec une nouvelle plaque Infinity que j'ai reçue dans mon swap avec Megan. Cette vidéo-là, ma vidéo swap, je l'ai postée juste avant celle-là, mais je peux vous mettre le lien si vous voulez la voir. Je vais tester mes quatre plaques. J'ai la 21, 62, 17 et 71. Je vais vous les montrer plus en détail et on va les tester. Elles arrivent dans des sachets comme ceci et elles ont toutes un film protecteur bleu. Il s'enlève très bien. Et derrière, vous avez le logo Infinitinel. Donc, je vais enlever tous les plastiques et je reviens. On va commencer par la numéro 17. Ici, j'espère que vous allez voir. C'est toujours un problème avec les plaques de stamping, les reflets, on voit pas bien. J'espère que vous voyez vraiment. Ici, on a des étoiles. Ici, des petits Bambi. Ici, des petits loups. C'est ça qui m'a fait craquer pour la plaque. Je voulais les petits loups. Ici, on a un petit, on dirait un chat sauvage. Ici, on a un petit minou Choco Cat de Sanrio, je pense. C'est les petits minous avec Hello Kitty. On a des fleurs et des belles arabesques, un papillon ici. Donc, on la teste. J'ai mon vernis CR noir. Ça, c'est de ma faute, j'ai mal raclé. Je vais recommencer. Ah, tampon. Je vais les tamper sur ma feuille et ensuite, après la vidéo, je vais tout vous montrer. Ici, on a un petit Bambi. Ouais, il est trop cute. Ensuite, on a le papillon ici. On va le tester. Avec une grosse fleur à côté. Essayez de prendre les deux. Voilà le papillon et la grosse fleur. Ensuite, on va essayer mon petit loup. Le voilà ici. Fonctionne très bien. Ensuite, on a un chat sauvage ici, dans le style tribal. Le voilà. Ensuite, on va tester le petit Choco Cat en bas, avec les petites fleurs. Et on va passer à la prochaine plaque après. Et voilà, Choco Cat avec des petites fleurs en dessous, un petit papillon ici. Ça, c'était la plaque 17. Ensuite, on passe à la 21, la plaque Halloween. J'adore l'Halloween. J'ai déjà des plaques Halloween, mais j'en veux toujours plus. Ici, des petits minous avec des chapeaux de sorcière. Des petits hiboux sur une branche. Une petite maison hantée. J'espère que vous voyez bien. Un petit cimetière, des petites pierres tombales, j'ai vu ça ici. Des petites chauves-souris. Un petit arbre, un petit cercueil. C'est la 21, je sais pas si je l'ai dit.
un petit minou avec un chapeau de sorcière. Oups. J'ai attendu trop longtemps. Il fait chaud chez nous, fait que... Donc, le vernis sèche beaucoup plus vite. Ok, on l'a eu. Je vais tester la petite maison hantée ici. Et voilà, les petites pierres tombales en plus avec. On va essayer le petit hibou sur la branche. Il est mignon, il a une drôle de tête. Et voilà. On va tester les petits fantômes. Oh, j'espère que j'étais dans la caméra. J'espère que j'étais devant la caméra. Les petits fantômes. Ensuite, on va tester la petite sorcière ici. Ensuite, c'est la 62 avec tout plein de fleurs et d'arabesques. C'est vraiment des motifs que j'adore. Je suis désolée si je suis pas toujours dans le cadrage. Je vais essayer de faire attention. Et voilà. C'est que je dois me pencher pour voir si je suis dans le cadrage. C'est pas. C'est juste un appareil photo que j'ai. J'ai pas de caméra avec un écran que je peux voir qu'est-ce que je fais, malheureusement. C'est vraiment de la top qualité, les plaques de Chica. Hein. Ça, c'est l'Infinity, mais elle a aussi des plus grosses plaques XL. Là. J'en ai reçu pour ma fête, puis je les ai testées, puis c'est vraiment top qualité. Je recommande sans hésiter. Ensuite, on va passer à la dernière plaque. La 71, qui est sous la mer. Des poissons, petit coffre au trésor, des plantes aquatiques, une petite pieuvre, des bulles. C'est vraiment joli cette plaque-là, j'adore. Bon, voici. Ah, il y a une petite sirène ici, je ne l'avais même pas vue. Enfin, je pense que c'est une sirène. Oui. Ici, une petite sirène. Ensuite, on va essayer la petite pieuvre. Bon, j'aurais dû nettoyer mon tampon. Et voilà la petite pieuvre. Donc, mon appareil s'était éteint. On va prendre le petit coffre. Ici. Ici, on a un poisson. Et pour finir, je vais essayer les plantes aquatiques ici.
Et voilà. Donc, je vous montre les résultats sur feuille. Ici, c'est la plaque Halloween. Ici, la plaque poisson. Regardez, les étoiles sont belles. C'est sur le petit Bambi, trop cute. Donc, voilà, vous voyez que c'est de la super qualité. Et, c'est ça. C'était ma petite vidéo test pour les plaques Infinity. Et moi, je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais mettre sous la vidéo, je vais mettre le lien où vous pouvez acheter les plaques. Bye bye, à la prochaine.